Benjamin Munier reste en prison, accusé d'avoir commis 4 viols et une agression sexuelle entre octobre 2020 et août 2021 et placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire d'Alcourse au nord de Liverpool le 27 août dernier. Le défenseur français de 27 ans de Manchester City a vu ce vendredi le tribunal de Chester confirmer son maintien en détention lors d'une audience préliminaire selon le Manchester Evening News. Lors de cette audience qui n'avait pas vocation à juger les faits, la cour a fixé la date de son futur procès qui aura lieu à partir du 24 janvier 2022 sur une durée de 2 ans ou 3 semaines. D'ici là, une nouvelle audience se tiendra le 15 novembre a priori pour déterminer si le champion du monde 2018 souhaite plaider coupable ou non. Même traitement pour les deux accusés arrêtés et entendus par la police en novembre 2020 et encore au début de l'année 2021. L'ancien joueur de l'OM avait à cette époque été placé en liberté conditionnelle, mais n'avait pas respecté ses obligations en organisant au moins une nouvelle fête chez lui, ce qui a irrité la justice anglaise. Le 1er septembre, cette dernière avait d'ailleurs refusé la demande de libération sous caution effectuée par les avocats du joueur. La semaine dernière, un deuxième homme de 40 ans, prénommé Louis-Sara Maturi, a également été inculpé dans le cadre de cette enquête. Lui aussi a été maintenu en détention.